Bonjour à tous, ici grade 13, computer sub. Bon, malheureusement, il y a un seul élève en ligne. Voilà, un seul élève en ligne. Et Léa, il est bon là. Et voilà, nous stop sharing. Voilà, un seul élève en ligne. Ok. Et seulement sur Canon. Et le computer nous explique Artificial Intelligence. Correct. Voilà, nous vais chercher l'écran. Voilà, correct, nous commençons. C'est une question de diamant là, super. Bon, chapitre c'est paper 1, chapitre c'est architecture, correct? Tu veux guetter là? Tu veux être en moi? Allô, tu veux être en moi? Ouais, tu peux t'attendre, mais il faut y avoir film. Allez, on va augmenter un petit peu. Correct? Allez, voilà. Maintenant, topic c'est leader chapitre 7. The Ethic and Ownership, dans la section là-bas, c'est le Artificial Intelligence. Ouais. Artificial Intelligence, dans la section là-bas, on appelle ça Show Understanding of Artificial Intelligence. The élèves understand the impact of Artificial Intelligence, the social, economical et environmental issues. Et the élèves understand application of AI. Chapitre. Et ça, les continue, ça chapitre 1, là, les continue dans paper 4. Et dans paper 4, normalement, il y a le chapitre 18. Le chapitre 18 dans paper 4, c'est Evangelé Bing. Et je te suis, je vous fais seulement paper 1, chapitre 7.1. D'accord? Et si je te fais un computer 1000, là, je te vous continue dans chapitre 18. Correct? Bon, là, nous étions en cours Evangelé Bing rentrée. Voilà, là, une rentrée. J'espère que nous avons donné accès. Ok, voilà, là, une rentrée. Et nous expliquons là. Nous pouvons faire paper 1, chapitre 7, Artificial Intelligence. Et dans le chapitre Ethics and Ownership, cette dernière section, on appelle AI. Et ça, il continue dans le papier 4. Mais malheureusement, on ne suis pas faire papier 4. Dans le papier 4, il y a le chapitre 18, Artificial Intelligence, continue là-bas. Mais là, nous ne pouvons pas faire. Allez, allez. Maintenant, topic qui nous peut faire, nous pouvons quitter un coup de record session là. Oui, nous commençons les codes. Artificial Intelligence. Bonjour, bonjour. Nous devons faire paper 1, chapitre Artificial Intelligence. Et ça, les continuer dans le chapitre de papier 4. D'accord? Maintenant, Artificial Intelligence. What is Artificial Intelligence? Artificial Intelligence veut dire machine. Machine, ou une application qui fait même travail comme un humain. So, Artificial Intelligence, AI. Comment on dit Artificial Intelligence? AI. Veut dire machine. Or application which carry out tasks required some degree of intelligence when carried out by a human counterpart. Veut dire artificial intelligence veut dire un travail qui machine pour faire, mais ce qui utilise l'intelligence pour humain faire. D'accord? C'était humain à cause de l'intelligence qui fait travail là. Maintenant machine peut faire travail là. Machine là pour besoin un petit peu l'intelligence pour faire travail là comme un humain. Ok? Maintenant artificial intelligence is currently focused on the development of autonomous mechanical products in machine learning based on access to massive data. Mais artificial intelligence, comment on peut trouver? Il y a une méthode qui peut servir pour faire automatisation. Correct? Automatique. Et what is an expert system? C'est là que vous connaissez. Expert system, il y a une field de artificial intelligence. Il y a une partie de artificial intelligence. Ok, un expert system, il y a un field de AI. Et dans artificial intelligence, computer, il fait les mêmes affaires que humain peut faire. C'est-à-dire, nous émulate human experience. What is an expert system? Il y a l'exemple de AI. Il y a une partie de AI. Expert system, il y a un software ça. Et il tombe en bas chapitre AI. C'est-à-dire, il émulate human expert. C'est-à-dire, expert system, comment dire, un expert, comme un docteur, comme un ingénieur, tout ça là, il met sur l'intelligence dans un software. Et software là, il peut, comme si faire travail comme un expert. Correct? Voilà. Bagarati, aujourd'hui, nous pouvons faire une petite révision de l'expert system. Et prochaine classe, nous vous prenons ligne search. Et ligne search, je m'en ai déjà expliqué, mais vous pourrez prendre. Voilà. Expert system nous veut dire il y a un field de artificial intelligence. Quand nous, un expert qui existait dans la nature, comme un docteur, comme un scientiste, tout cela, sous l'intelligence, nous veut mettre dans un software. Et là, nous mettons dans un software, mais ce software-là, il fait un travail pareil comme un
ça expire là. Mais ça expire le système là, il y en a trois parties qui se usent. Il y en a inference engine, il y en a rule base, avec une interface. So the three parts of an expert system, c'est sur inference engine. So inference engine, on appelle les query, comme un search engine. Rule base, il pose question, ben criteria, les query, et tu as une interface que tu es capable de travailler. Et knowledge base, il comme un database que tu regardes tout sur ben connaissance là. Maintenant, qui veut dire une inference engine? Un inference engine, nous apply van rules, van facts, et il est là, il prend décision. Which make up, well, inference engine, il y a le query to knowledge base, il y a le road depuis la database, là, le road van machine, et van facts, qui est capable de faire matching, et il est là, il donne une réponse. Correct? Voilà. Maintenant, les enfants là, vous allez connaître, what is an expert system? Le part of an AI. Et il y a un software que nous imiter human expert, ce knowledge là non. Et expert system, il y a une inference engine, il commande à query, which is rule based, avec une interface, et alors hier, il y a une database, c'est un qui appelle ça knowledge base. Voilà. Maintenant, l'autre question, four components of an expert system, il y en a sur HCI, human computer interface, une inference engine, une knowledge base, et sa inference engine là, il est aussi rule based. Maintenant, give three examples of an expert system. Ok, trois exemples d'un expert system. On va continuer. Voilà, expert system, il y a un software. Ok, what is expert system? Il y a un software ça. Écoute, quel service a un software là? Dans medical diagnosis, il peut imiter docteur sur l'intelligence. Il veut dire software là, pour finir, toi qui malade, il faut gagner, il fait diagnostic, il faut dire toi. Et ça aussi servi de mécanicien, remplace ingénieur, mécanicien, il a fini d'être à côté d'un problème de tout le tour. Et aussi servi les PL route minéral en bas la terre, ça m'a un expert là, ça m'a un géologiste là, ça aussi là-bas nous servi ben software, ça software là, appelle ça expert system, que nous mettons l'intelligence expert là-dedans, et ça software là, il aide ça expert là, ou bien l'autre expert, ou capable d'aider dans ce travail. Maintenant, dans chess playing, si nous servons un expert system, que nous pouvons mettre sa play là sur l'intelligence, façon de jouer dans un software, et là, software là peut agir comme ça, expert là. Et identifier plant, soit la chemical product, là aussi nous servons un expert system. Expert system, comment on dit, il y a un software, mais aussi servir de financial advice, de tax calculation, soit là. Bon, dans différents fields, des que nous avons un expert, nous prenons sur l'intelligence, ça l'expérience, sur l'intelligence, sur l'expérience, nous mettons dans un software, même si c'est un expert là, pas là, et software là pour aider Benjamin pour prendre une décision. Et dans un moment, comment on dit, Covid, ouais. Ouais, sur des avantages, il y a certains experts capables de faire du travail, mais il n'est pas vrai. Sa software là, il aide expert là même, parce qu'il est expert là. Parfois, il bizarre sa software là, sur l'intelligence même là-dedans. Mais parfois, là, il prend des décisions, il oublie certaines options, mais sa software là, il aide docteur là, même sa docteur là, ou un autre docteur pour get tout bonne possibilité qu'il y a là. Il y a une help, d'accord? Je veux dire, il y a des avantages, capable de faire du travail, mais bien rare. Mais vous pensez, il y a un outil, un expert system, il y a un software, il trouve en bas field de AI. AI, c'est un gros chapitre. Mais dans AI, il y a une section appelée expert system, il y a une autre section appelée robotique, il y a une autre section appelée pattern recognition, il y a une autre section appelée gameplay. Mais expert system, il y a une section dans AI. Et il y a un software, comme on dit, toi. Et ça va un software déjà existé, de casté. Et quand il met l'intelligence, ben software là-dedans, ben expert là-dedans. Et expert dans différents areas. Et software là, trois parties, on appelle ça HCI, Inference Engine et Knowledge Base. Et Inference Engine, so, parfois les combiner avec Rule Base. Et dans qui fil ce expert system, quand on dit ça, un expert dans Medical Diagnosis. Dans Medical Diagnosis, il pourrait remplacer un docteur. Okay? L'intelligence du docteur là, il met là-dedans. Et il est là. Même docteur là, pas là, software là, aidé. Get to même, si tu mets malade, tu as servi un software expert system pour medical diagnosis, tu es capable de comment dire qu'il y a une idée qui est malade, tu es là, pour avoir un symptôme qui te peut dire lui, et ce software là pour dire toi l'idée. Mais même ce software pour medical diagnosis, le docteur qui a servi, le dimon qui a servi, pour capable d'aider à prendre une décision.
Voilà, et trouve le fault finding, c'est-à-dire un ingénieur, un mécanicien capable de servir pour l'auto, diagnostic de l'auto, il met un sensor dans l'auto là, et l'auto là dit à lui qui faut là. Non, sauf là, dit à l'autre là, qui va faute capable de venir dans l'auto là, ce n'est pas qui sensor pas bon, ce n'est pas qui partit l'auto là pas bon. Nous aussi servir dans un géologiste, un expert en géologiste, mais servir mineral and oil exploitation. Nous aussi servir de chess playing, quand nous mettons player là, sur l'intelligence là-dedans. Et nous aussi servir de l'habilité à identifier les plantes, les animaux. Et ici, d'après moi, il représente un scientiste. Et nous aussi, un expert de côté finance, taxes, il servir un software pour capable prendre une bonne décision. Voilà, on finit avec Expert System. Si tu comprends par Expert System, il y a le software. Et trois parties qui sont dans cet Expert System là, il y a HCI, Human Computer Interface, Inference Engine et Knowledge Base. Mais c'est moi ça, Inference Engine là, parfois il casse les dans des sections, il appelle ça Rule Base. Rule Base avec Inference Engine. Inference Engine avec ce Rule Base, il combine ensemble. Et voilà le Expert System que nous avons causé. Maintenant, encore une tasse qui nous servit de. Dans section AI, apport expert system, language, voilà, il dit langage, il reconnaît du monde sur la voix, il reconnaît du monde sur visage, ok, ça c'est encore une petite chose qui nous servit expert system, correct, AI, artificial intelligence, language, il process language, il fait une mathematical calculation et function, recognize une task qui nous fait, recognize the person's face, et ability to operate machine, il y a certaines machines qui travaillent automatique, comme airplane, train, tout ça là, capable de faire une autopilote, auto, là, il y a un expert système capable de travailler là. Et c'est AI, c'est comment dire, mettre du monde sur l'intelligence et sur l'expertise dans un software, pour capable de prendre décision. Correct? Allez, maintenant, moi, j'espère les péricodes là, les péricodes, oui. Voilà. Maintenant, nous continuons. Une minute en jeu. Allez, là, nous t'expliquons. Voilà. Impact of AI. Ok, nous avons un coup d'impact of AI, artificial intelligence. So, a list of applications of AI in our society. Quand nous capables AI, artificial intelligence, il peut y avoir un fil bien intéressant. Quand beaucoup d'élèves peuvent étudier ça dans le niveau de l'université. Et dans beaucoup de places, je dis que c'est AI, correct, artificial intelligence. Même dans où les open search, le web, vous trouvez là où tape un key, il finit de nous qui s'occupe de il y a un mot qui vous pouvez typer, il finit par être avant de nous option. C'est un AI qui peut servir là-dedans. Maintenant, autonomous vehicle, driverless, c'est autopilote, ça aussi une partie de AI. Et, oui, voilà. AI, c'est servi plusieurs places, comme on peut dire, sur l'impact de la société. Parce que d'après ce syllabus, c'est bizarre. D'après ce syllabus, c'est bizarre. Voilà. Understand the impact of AI in social, economical and environment issues. Et application of AI. Je vais poser comme ça. Voilà. The impact of AI. Quand c'est servi AI, tu peux poser. Ça s'applique à nos pégétés. Et là, dans le chapitre papier 4, il continue ça. Voilà, artificial intelligence nous peut causer, nous cause what is an expert system, et nous donne une réponse, un expert system sur réponse, nous cause four components of an AI, inference engine, HCI, et rule base, et knowledge base, nous cause aussi expert system, il y a un software, et code PCAVD, the medical diagnosis, the fault finding, the machine, the mineral exploration, the semi remplacement, geologist et volcanologist, de game playing, chess playing, etc. Plusieurs places spécialisées AI. Maintenant, on trouve artificial intelligence, facial recognition, autopilote, tout ça, on peut servir AI. Maintenant, l'impact of AI in our society. C'est-à-dire une société peut changer, tout faire parce que AI peut former une partie dans nos sociétés. Quand nous peut servir un driverless vehicle, un vehicle qui peut être autopilote. Par exemple, train, on a quand même plus d'autopilote. Il y a un artificial limb, c'est-à-dire des pieds artificiels, un drone, ok, qui peut servir l'intelligence, il met l'intelligence là-dedans. Il y a un drone qui peut autopilote. Et climate change, les cas fait prédiction, les temps, peut servir AI.
medical procedures, eyes operation, avec précision, peut faire avec AI. Je veux dire, AI, il y a un fil pour étudier. Il y a beaucoup d'élèves vers l'université pour faire recherche sur le côté AI, artificial intelligence. Voilà, un train peut faire automatique parce qu'il met l'intelligence là-dedans. Ben, la main artificielle, il met l'intelligence là-dedans. Et ben, le robot, soit là, il met l'intelligence là-dedans. Il met human, so expert sur l'intelligence là-dedans. Et il peut faire un travail automatique. Maintenant, question, quand il y a dans l'examen, application of AI in our society. Where AI is used in our society. C'est-à-dire, driverless automation, autonomous driverless vehicle, artificial limb, controlled by drone to carry out dangerous and unpleasant tasks such as bomb disposal, welding, a nuclear disaster area, climate prediction, medical procedures such as eyes operation where extreme precision is required. Voilà, le spécialiste expert system artificial intelligence. Moi, je vais trouver contrôle train, pénal driver là-dedans, c'est l'intelligence artificielle qui met là-dedans. Et là, tu trouves limb or arm artificial. Et là, tu peux désarmer. Comment on fait ça? Une bombe peut déactiver avec un robot qui est dans l'intelligence. Un robot là, automatique, il va déactiver une bombe. Maintenant, une petite activité qui me donne ici. Je suis capable de réfléchir là. Look through this chapter. On impact of AI in our society. Et je vais write a short essay. Ok? Que ce pro avec cons. C'est-à-dire, sur l'avantage et sur désavantage des artificial intelligence dans nos sociétés. Et draw a reason, conclusion, and debate. Nous sommes capables de faire artificial intelligence dans son avantage et dans son désavantage. Nous allons discuter ça. Et ben, je vais capable d'écrire un petit rapport avec moi et nous allons corriger. Maintenant, une autre question, une autre activité. Bon, ça, c'est capable, ça, c'est qu'à travailler et avouer moi. Hein. Et une autre activité, le Kali. Voilà, une autre activité là. Describe an example why Ms. Brian claims could help people in the future. Ça aussi, le debatable, could AI the future capable servir. Ok, give three different examples of AI et seven drawbacks. Nous sommes capables de discuter là. Ok, ça c'est une bonne question. Nous sommes capables de travailler là. Nous avons AI, la future qui peut faire, qui ne peut pas faire. Nous avons besoin d'une note là. Et je vais écrire un petit essai de l'avouement. Maintenant, là, nous vous posons une question. Correct? Allez, right. Allez, nous lisons ça. Nous avons des siens élèves qui répondent. Computers over the years have been described as the first to the fifth generation. Identify the generation that is associated with AI. Bon, ça, vous avez lié à sa note-là qui est devant, l'indicatoire. Et réponse à l'indicatoire, the fifth generation qui est AI, artificial intelligence, il vient en vigueur. Et artificial intelligence is involved in problem solving. Okay, identify the term used to describe the common sense as part of the problem solving. So, réponse ici c'est heuristique. Maintenant, troisième, identify the statement that best describes AI. Et réponse c'est making machine behave in an intelligent way. Et dernier, identify the AI process that involves repetition, evaluation, and then refinement. On appelle ça iteration. Correct? Maintenant, nous avons un coup. Voilà. Voilà, nous continuons. Voilà, nous continuons un coup. Je vais vous donner l'occasion pour lire ce texte-là. Some of the development and impact that currently expected to be seen in the future, in the near future. Bon, nous trouvons research has predicted qu'il peut y avoir job loss. Ok, il y a un peu de travail du monde pour perdre. Bon, qui a des travail, there will be job loss. De 2020-2030, il y a 600 millions de jobs will be lost globally. Mais il y a certains travail du monde pour perdre, il y a certains nouveaux travail pour créer. Et pour la 4 millions need to be retrained. Mais il y a alarmant, hein, extrait, un affaire alarmant, qui est AI, il a l'air pour introduire AI dans nos sociétés, sur l'impact, il y a du monde pour payer du travail. Il y a certains travail pour ne plus pour faire manuellement.
correct. Et ce bon travail-là, du monde vous perdez. Mais c'est un nouveau travail pour créer. Il dit pour un nouveau travail qui pour créer, creating of net increase of job. Pour un nouveau travail pour créer, et puis prédire pour un perdu certain travail, mais il y a certain travail pour gagner. D'accord? Voilà, et une jolie petite note là, je peux y aller, je vais récolter. Et nous allons discuter l'avantage et désavantage des AI dans le société. Correct? Il y a créé certain travail, mais certain travail, tout le monde peut perdre. Là, il y a dit, there are some potential ways in which AI can help. AI est capable de nous aider de découvrir les natural resources. C'est-à-dire qu'il y a rodé quand il y a de l'eau, quand il y a minéral de la terre, quand il y a pétrole, quand il y a crude oil, voilà. Et AI est capable de nous détecter air pollution, le climat, de la mer, etc. Voilà. Espérer les péricodes. Voilà. Maintenant, il y a un scientiste capable de servir ça pour better accuracy de l'environnement et comment l'environnement peut se changer et qui va arriver, qui va prédire, qui va arriver dans le futur. Il y a une future AI capable de nous pour focus à l'environnement. So AI, il better aide nous faire prédiction et il aide nous pour gérer énergie renouvelable, ok, les ressources qui est là, il peut aider nous. Et voilà, il peut aider nous pour gérer l'énergie. C'est-à-dire AI allows us to learn from the natural ecosystem. Et il peut aider nous monitorer, il peut faire un modèle et il peut aider nous gérer de la rivière, de la mer, nos ressources, les biens. Il est capable d'avoir une balance. C'est-à-dire AI, Artificial Intelligence, il est une question pour aider nous pour analyser et pour prédire. Et AI est capable de processer beaucoup de data et il est complexe. Et voilà. Maintenant, je vais poser une question. Qu'est-ce que AI est capable d'avoir de l'impact? Voilà. Voilà, nous continuons là. Nous laissons un petit peu avec les notes là. Voilà. 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 Nous avons une question qui est encore. AI could have a large impact dans le transport, qui est en train de vous connaître, le criminal justice system et dans advertising and use of data. Advertising use of data, c'est même dans l'Amérique là. Fait que là, tu as élection et ben là, élection là, triqué. En fait, c'est AI, Artificial Intelligence, qui target ben du monde qui est capable d'influencer. Les là, il réussit à gagner l'élection, Donald Trump, il gagne l'élection comme ça. J'espère que je vais t'en moi là. Ça va, je vais t'en moi? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, mais attendez. Oui. Allez, rate, nous continuons. Dans le transport, je vais t'en moi là? Oui, mais attendez. Allô? Je vais t'en moi? Oui, je vais. Allô? Allô? Ouais. Oui. Tu correct là, je vais t'en dire? Oui, oui. Dis bon là? Ouais. Allô? Allez. AI sur l'impact avec transport. Il y a some taxi companies have already been looking to introduce autonomous drivers. Ok, driverless car. Ok, les services sur app, mobile phone. Et voilà, can hear. Voilà. Et les services sur app, mobile phone, automatic handle payment. Et taxi location, estimated time arrival, tout cela fait par artificial intelligence, ma software qui improve transport, qualité de transport, improve beaucoup de travail fait automatique. Maintenant, le criminal justice system, là aussi nous trouvons advanced facial recognition, fingerprint, forensic science, is almost obsolete. C'est-à-dire AI pour venir mettre un boost là-dedans, AI pour comment dire améliorer ce système-là, que l'aide du monde, aide ban policier et détecter un crime qui est arrivé, etc. Et l'intelligence artificielle. Voilà. AI could help. Ok, criminals can use it to hide their criminal activity. C'est-à-dire, what about legal practice? What could be the mechanism challenging an AI-inspired legal decision?
how can we ensure no bias creeps into AI decision making process? Ok, voilà un petit peu côté justice, non beaucoup de ce côté AI. Mais le côté advertising, comme on a dit la dernière fois, il fait publicité, il target ban du monde, ok, il monitor closer, il connaît ban impact. Qui peut y il fait un advertising et dernière campagne c'est la prédiction et ben la prédiction est trichée. En fait, il n'est pas triché, c'est une target Benjamin et une influence Benjamin là qui peut avoir l'impact beaucoup dans l'élection. Mais l'advertising, le mettre artificial intelligence là-dedans, il devient bien intelligent. Voilà, maintenant nous check and good. Voilà, nous check sa bonne question là et réponse là maintenant. Voilà. Maintenant, nous continuons. What is meant by artificial intelligence? Correct? On espère que les gens suivent. Voilà. Les gens qui sont online, là, ils recordent. What is meant by the term artificial intelligence? Artificial intelligence is a machine which carry out tasks requires some degree of human intelligence. Et duplicate human tasks that requires decision making and problem solving. Lut, describe some pros and cons of AI in our daily life. Voilà l'autre question. L'avantage des AI avec des avantages des AI. Technology such as autonomous vehicle, il y a un avantage. Artificial limb, il y a un avantage que disabled people capable de servir. Cela met improvement de la médecine. Mais des avantages, job loss. Dependence of human technologie trop beaucoup, ça aussi un désavantage. Loss of his skills, du moins perdre des autres skills parce qu'il est tout à fait fait par AI. Maintenant, give four examples and use of AI. Ok, code servi AI, AI de robotique, de climate prediction, de performing dedicated operation, ok, comme opération, tout ça. Et cancer treatment, disposal of bomb, welding, nuclear incident, etc. Voilà, ça c'est une réponse qui me donnait par Helen Williams. Maintenant, artificial intelligence, living dans le chapitre 18 dans le papier 4. Correct? Mais là, nous pouvons arrêter la même. Si j'ai une question, je dis à moi. Et puis, arrête ça, recording là.